t'en penses? Ben... Y a aucun autre passage, rien du tout. C'est tout? Bah, est-ce que tu vois quelque chose qu'on pourrait ouvrir au pied de biche? Ben, pas vraiment, non, mais... C'est ça le la, c'est ça le son problème à la cave, c'est des cris qui ne mènent sur rien et des hallucinations. C'est léger pour un Pour castrapistorien. l'instant. Ah ouais, Pour bon l'instant, bah pour l'instant. on fait quoi, on remonte du coup? Attends, il y a plus léger. Bah oui, je pense. Ok. Parce que tu sais que le chemin lui est barré et que c'est seulement là que son aventure commence. Ah mais C'est bon. ce qu'ils ont dit dans le truc. Donc, du coup on remonte. Ouais, bah oui. Et je pense que c'est là que ça va faire go! Go! Un go à la Zeraldor, Ouais! tu vois. Hey, go! Bah, j'arrive pas à ouvrir la porte. On peut pas en fait, je crois. Enfin, à moins que je Ah peux bah, faire. qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Bon, Non, on peut pas. le pied de biche sert à quelque chose. Bah, à quoi? On va très vite le savoir. Ah, il y a un trou, j'ai l'impression, dans le Où mur. ça? Oui, non, au niveau de l'escalier, mais je vois rien. On peut pas passer. Non, on peut pas passer, c'est juste blessé. Alors, à quoi il sert ce pied de biche? Il y a bien un truc à faire avec le pied de biche. J'ai une idée, elle est tordue, mais on va voir si ça marche. Laquelle? Laquelle? Non, ça marche pas. Laquelle? J'ai voulu utiliser le petit biche sur l'araignée, ça a rien changé. Sur l'araignée. Je suis pas dans l'énigme. Oserais-je dire que je deviens marteau? Voilà. Je vais essayer de l'utiliser sur la fenêtre. Non plus. Bon. C'est toi qui es très fort en énigmes. T'as réussi à résoudre une énigme à laquelle je comprenais rien du tout dans l'amnésie. D'accord, bon. Moi fort en énigme, Ne bon on est mal barré. t'inquiète pas, nous sommes. Attends, Ouais. l'étagère! Tire l'étagère! Ah! Oh my goodness! Oh my damn! Non! Oh my goodness! Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ok. Je vais voir s'il y a un truc dans le bureau. Hop, hop, hop. Ah, rien du tout dans le bureau. Je vais voir s'il y a un truc dans le placard. Ah oui, déjà des squelettes, ça pose davantage de problèmes. Ah, il y a l'huile en plein milieu des squelettes. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Il y a des corps qui tombent du plafond. Oui. Il y a aussi un Oui, cochon, il y a un cochon parmi les squelettes. Regarde. oh, coucou. Coco. Ah Bien, oui, bientôt, Lekba, je me vengerai dans Amnesia 2. ah, c'est Prépare-toi à exactement ce subir mon que courroux. Bah, du coup, en attendant, moi je l'ai mis à brûler sur le feu. Ok, ouais. Comme ça, on aura du poulet rôti ce soir au Du dîner. poulet rôti? Du cochon. Un rôti de porc plutôt. Oui, merci. Ah, pied de biche sur la porte, je suppose. Et oui. Et oui, ma santé mentale a sacrément baissé lorsque j'ai essayé de faire cuire le cochon. Voilà. La porte est défoncée. Oh! Bonjour, madame. Ok, ma santé mentale a bien monté. Bêtise, mais quel est donc cet endroit? Mais bordel, c'est quoi cet endroit? Madame, au lieu de vous baigner ainsi et de faire pipi continuellement, vous pourriez nous dire c'est quoi ce bordel? Non? Bon bah ok. Ok, du coup j'avance. Les statues sont magnifiques. Les Tu vois, statues. j'aime beaucoup cette pièce, elle est décorée avec beaucoup de goût, je trouve. Je sais pas, c'est la première custom story, mais on a choisi un très bel endroit. Je suis pas là pour parler déco pour être franc. C'est pas faux. Mais certes. Bon bah on va au fond de... Yo. Pour l'instant, je longe à droite, voir s'il n'y a pas des trucs Tout au d'huile fond de la par terre. salle, il y a la suite tout bêtement. Enfin je sais pas Merde! qui... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a de l'huile nulle part! Nulle part! Pas d'huile cachée! On est déjà plein en fait. Et on a déjà deux grosses potions et on est déjà plein. Et la porte s'ouvre sans clé. Je suis plus pleine moi, je l'utilise assez souvent la lanterne. Non mais on a trouvé deux d'huile et une grande potion d'huile, donc je crois qu'on a de la marge.
Tu avances. Tu avances dans le fond. Ouais, je suis passé là. Avec le sang qui coule. What is this? Quel est ce bordel? Oh, c'est beau. Oh, quel magnifique endroit. Aïe aïe aïe, j'étais blessée. Je crois qu'il faut courir là avant de mourir. Il ne peut pas courir. À peine conscient. Je vais prendre du lodanum. Une blessure saigne gravement. Je vais reprendre du lodanum. Voilà. Ah, non mais me tue, vas-y tue moi, je dirais rien. C'était bien à peine que juste deux lodanum quoi. Ah ouais, moi aussi. Et là, c'est sa folle aventure qui commence, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Et c'est là, on a le générique. Ça va être marrant. Non, mais ça confirme ce que je dis, comparé à l'autre qui avait une bonne ambiance. Là, ça joue sur le jumpscare, donc c'est un peu moins flippant. Oui. Je cherche un qui jouait sur le jumpscare qui était fou. Je crois qu'il y en avait un. Non. Ok, je me suis coupé. Oui. Bon, là, on a été traîné en prison, je crois. C'est celle de Noël, tu la connais, Gary Snowy Secrets ou pas? Lequel? Gary Snowy Secrets. On parlera de ça plus tard. Tu connais pas. Elle est géniale. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas, mais on posera pour des photos plus tard, là, faut se tirer d'ici. Peut-être que j'ai de la chance de ne pas être mort. Ouais, peut-être. Peut-être que tu n'as pas de chance, justement. Ok. Peut-être qu'il y a encore pire que la mort. Ah, il y a une boîte d'amadou cachée dans les cailloux. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Porte est fermée. Oh, il y a un monstre, et coucou. Bon, les portes sont fermées. Or, l'objectif c'est de trouver un trou. Je vais trouver un trou. Est-ce qu'il est possible? C'est ma grande angoisse de ne pas réussir à passer dans les trous qu'il y a dans les prisons. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. C'est ça, parce que c'est tellement dur des fois. T'inquiète pas, ça deviendra la tienne aussi, mon tour. Alors. Je cherche un trou, il y en a pas pour l'instant. Si, j'en ai trouvé un. Où ça? À gauche, sur la gauche. Sur la gauche, où ça? Mais comment dire? Il y a un barreau qui est cassé. Je sais pas si tu vois. Oui. Et tu peux passer entre? Non. Non. Faut que tu mettes des caisses pour sauter dessus et tu peux passer entre. Des caisses pour sauter dessus? Des caisses pour monter en hauteur pour passer à travers le trou. Ah, le trou en hauteur! Ah, ok. Ouais. Et là, tu sors. Il y en a un commode. Action! Action! C'est souhait. Ok. Enfin, dans la prison juste en face de nous. Par un cadavre. Mutilé. À tes souhaits. Merci. Je vais vraiment plus dans cette cellule. Beaucoup de jus de carotte ici. Rien sous le lit. Non, rien du tout. Sur la quatrième cellule. Ah, il y a un bureau. C'est quelque chose dans le bureau. Non. Nada. Dans celle-ci. On a plus notre lanterne par contre. Hein. Ah zut. Zut. Rien. Bon, on commence, il y a deux sorties, on prend laquelle?
Bon, j'ai vidé toutes les pièces, j'ai fouillé toutes les pièces, rien. Deux sorties? T'es plus proche de Ouais. laquelle? Je suis au niveau de celle qui est juste à côté de la prison dans laquelle nous étions. Bon bah go. Ok. Oh. Il y a un panneau qui dit Area Cellas 1. Ok. Oh là, ça tremble. Je vais voir dans la petite prison à droite, il y a quelque chose. Un gros marteau. Boîte d'amadou. Et un gros marteau à côté. Qu'est-ce qu'il a sur son truc? Quoi? Le cadavre à droite. Oui. Il a un truc bizarre sur lui. Sur quoi? Sur quelle partie de son corps? Partie du milieu. Ça c'est un phallus. Non mais il y a un truc dessus. Hein. Bah, de la peau. Non, 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 il y a une espèce d'instrument. Instrument. Oui. Tu vois pas? Ah oui, ben j'ai pas ce qu'on peut faire au phallus d'un mec pour le torturer, mais il y a sûrement des solutions, il y a sûrement des si on est preuve d'imagination, il y a sûrement des tortures à faire. Mon Dieu. Quelle horreur. Comme je le disais, c'est pas possible, tu vois. Tu vois pas. Tout est normal chez lui. Ok, faut trouver une clé. D'accord. Ok. Dans les commodes. Attention, monstre. Ça arrête pas de trembler, t'as vu? Ouais. Alors, cette petite pièce, qu'est-ce qu'il y a? Par une machine. Ah, de l'huile! Ça, c'est cool. Une porte aussi, visiblement. Non, je sais pas ce que c'est. Ça ne s'ouvre pas, en tout cas. Ok, on continue. Oh, une grille qui s'ouvre de manière horrible. Bloquée par la machine dont je suppose qu'il faut qu'on la répare. Alors, du Ouais, coup. voilà. Ok, donc on retourne de l'autre côté. Hop, 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 hop. Au petit galop. Hop. C'est bon, je suis revenue dans la prison. Ok, Toi, que le monstre est parti ou qu'il rôde? Il est à l'autre partie. Ok. Donc, au petit trou jusqu'à l'autre sortie. Hop, 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 Des petits hop, hop, trous, hop, des hop. petits trous, toujours des petits trous. Ah zut! Il faut un levier. Oh T'as non, vu? encore un truc qui va prendre 2 heures. Ah. Il nous faut une clé et un levier. Bon, bah écoute. Je vais refaire une fouille. Tu as fouillé ça? Là, il n'y a rien. Donc, dans cette cellule, je suis sûre qu'elle est vide. Ensuite, celle-ci, je n'ai pas inspecté ton cadavre. Est-ce que tu tiens quelque chose? Non, tu ne tiens rien du tout. Je vais virer ce lit. Ah, bah! Il y a une clé! Où ça? Sur le lit. Sur le lit? Sur le lit de la prison qui était en face de la nôtre. Celle où un homme s'est fait écraser par la porte d'entrée de sa cellule. Il y a une Ok. clé sur le lit. Tu la vois? Ok, on la prend, Une on clé court. rouillée, ok. Qui ouvre donc une porte rouillée. Ouais, et je pense que c'est à part dont tu disais qu'il fallait une clé. Ok. J'y vais au petit trot. Par contre, si j'y vais au petit trot, je mets la clé dans ma main. Je Au cours petit avec la clé trot, dans la main. toujours au petit trot. Ah non, 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 non. J'avais mal fouillé, j'avais déjà regardé ce lit-là. J'avais mal regardé. Porte ouverte. Hop. Oh, sympa Hey comme. Alexander, how are you? How do you do? Très sympa comme endroit. On n'a pas la lanterne. Non. Ok. Elle est sur la table, d'ailleurs, tant que tu parles Rien d'elle. sur cette étagère. Ah bah tant mieux. Coucou, Rien sur alors. cette étagère. Ah, un petit coffre à droite. Oh, le paradis. Potion de raison. Le Danone. Ok. Fiole qui ne se prend pas. Bouteille d'alcool qui ne se prend pas. Où ça, le coffre? À droite, le long du mur. Rien dans le placard. Et pas de cachette possible. Rien dans la commode. De ce côté-là du bureau. Ça continue à trembler. Quand ça tremble, j'ai l'impression qu'on a un temps limité pour trouver la solution.
Sa première custom, il en demande pas trop. Ah, oh, bah tu sais, c'est possible. Hein. Même pour une première custom. Rien sur cette commode. Rien sur cette commode. Attends, une seconde. J'ouvre juste la porte et j'arrive. C'est bon, je suis là. Ok. Allez, ouais, réflexe numéro 1 de Amnesia, toujours fermer les portes. Ouais, mais bon, sauf quand t'as un chien qui me sort. Ok. Hop. Bah, je vois rien dans cette salle. À part la lanterne, du coup. Bah, oui, mais c'est embêtant parce qu'il nous faut soit un levier, soit une réparation de la machine. J'ai allumé la cheminée, je sais pas si ça va changer grand chose. Un souffleur. Un soufflet, pardon. Non, souffleur ou soufflé? Un soufflet, je crois. Ça s'appelle. Soufflet, oui. Hop. Rien dans ce truc en verre. Diable, il y aurait rien dans cette salle. Rien là. Rien au sol. Bon bah écoute, y'a rien. On ressort. Y'a sûrement un truc ici, on a mal cherché, c'est tout. Je sais pas, je vois rien du tout. Ah, attends. Petite pause. Attends, je coupe l'enregistrement une seconde.